Hello les citrons, j'espère que vous allez bien. Moi je vais très très bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Désolée si je parle pas fort parce qu'il est très tard chez moi. Et on se retrouve dans une vidéo de Movie Star Planet où je vais essayer de télécharger l'application PC de Movie Star Planet tout simplement. Donc pour ceux qui n'ont pas vu ma vidéo sur la mise à jour, je vous invite à aller la voir. Mais sinon, en gros, c'est que Movie Star Planet prévoit dans la prochaine mise à jour de ajouter, de donner la possibilité aux personnes qui jouent sur PC de pouvoir télécharger Movie Star Planet et du coup avoir Movie Star Planet en tant que jeu application sur PC et non pas par navigateur. Voilà, à savoir que j'ai regardé un petit peu, je me suis informée. Du coup, la version du jeu téléchargé sur PC sera exactement la même que celle par navigateur. Vous pourrez toujours accéder à Movie Star Planet par votre navigateur. Et à savoir, une info que j'ai vue, que pour le moment, il y aura uniquement sur Windows et non pas pour les utilisateurs de Mac. Donc désolé pour ceux qui ont des Mac, voilà, va falloir attendre ou je ne sais pas s'ils prévoient de le faire. Mais en tout cas, pour les personnes qui veulent tenter de télécharger l'application Movie Star Planet avant sa sortie officielle entre guillemets, et bien sur l'Instagram de LuxMSP, voilà LuxMSP, je vous invite à aller voir parce que moi je le suis et il donne quand même beaucoup d'infos en avant-première, donc je vous invite, il tease pas mal, donc je vous invite pour ceux qui, ça ne vous dérange pas d'être spoil, je vous invite à aller directement sur son Instagram, vraiment les infos elles sont ouf, et du coup il a donné le lien de téléchargement, donc j'ai vu qu'apparemment ça marchait pour quelques commentaires. Bon, j'espère que c'est pas un virus, on verra bien, mais non je pense pas. Donc on va aller tester ça. Donc moi je vais lancer l'application et on se retrouve. J'ai lancé du coup l'application téléchargeable sur, enfin j'ai application mais c'est le jeu en fait hein. C'est un jeu sur PC, on dit un jeu, on dit pas vraiment les applications. Du coup il faut que je l'installe comme vous voyez ici, donc on va l'installer. Ok, il s'est lancé donc Ok, ça met un petit peu de temps à charger pour le moment, j'ai l'impression. Bon, faut savoir qu'officiellement, il n'est pas encore disponible, hein, le jeu. J'ai l'impression que niveau qualité, c'est moins ouf ou pas. Non, ça va en fait. Ça va en fait. Et du coup, on m'avait dit qu'il y avait uniquement 3 serveurs pour le moment sur la version téléchargeable que normalement, on n'est pas censé avoir. C'est la version New Zealand, on est d'accord, c'est l'Australie, New Zealand. Hein. Je graphique 15 L. L'Irlande et du coup la Turquie. À la base, il y avait, je crois, uniquement la Turquie. Non, pardon. Uniquement Irlande et du coup l'Australie. Mais là, pour le coup, il y en a 3. Et du coup, j'avais créé un compte sur l'Irlandais, mais j'ai complètement oublié mon compte. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais en recréer un rapidement. Bah, attendez, est-ce qu'on peut le créer directement à partir de l'application? On va tenter. On va tenter. Alors, pour ceux qui veulent tester cela, je vous invite, si vous avez un compte irlandais, etc., qui vous tient au cœur, à votre place, je connecterai sur un nouveau compte. On sait jamais. Parce que normalement, on n'a pas trop le droit, je pense, de se connecter dessus. Du coup, voilà, on va tester de créer un personnage. Donc, apparemment, ça marche de créer un personnage. On va faire une random girl. Voilà, parfait, très joli. Et on va l'appeler... Bonjour toi. Quoi? Il y a deux qui ont même bonjour toi, je me suis dit, ouais. Coucou toi. Non, toujours pas. Coucou toi 2. On s'en fout en fait. On s'en fout. C'est lol 1, 2, 3 le mot de passe. Il y a quelqu'un qui le veut. Lol 1, 2, 3. Bon, je pense pas que ça vous intéresse, mais bon. Voilà. On va tenter. Donc c'est lol 1, 2, 3 le mot de passe. C'est coucou, espace, toi 2. Voilà. Parce que coucou toi normal était déjà pris. Hein. Ne me jugez pas sur mon originalité. Donc là, ça charge. On va voir un petit peu, donc je rappelle qu'au moment où je fais cette vidéo, le jeu n'est pas encore disponible, enfin, on ne peut pas encore télécharger officiellement le jeu comme je viens de le faire. Du coup, voilà, faut savoir que c'est pas l'application finale, je suppose. Ça, ça met quand même un petit peu de temps à charger. Bah, peut-être aussi que ça a bugué, le jeu il a dû se dire, oh, elle crée un personnage avec l'application, c'est pas très très normal tout ça. Je sais pas si c'est normal. Parce que là, vous voyez, le logo, il a complètement... Bah, tout simplement, il a complètement quoi? Je sais pas, il a complètement figé, voilà. On voit ici, normalement, il y a Movie Star Planet, il y a ici, ça tourne, et là, on le voit ici, il est figé. On va essayer de cliquer là... Oh, j'ai cliqué là-dessus, ça fait quelque chose. Loading, ouais, c'est loading.
Je clique dessus, ça fait rien. J'ai envie de tester, donc j'ouvre une page internet et je vais aller voir si déjà le compte que j'ai créé sur l'Irlandais, ben tout simplement fonctionne. Donc là, on est renouveau sur le navigateur normal. On va mettre Irlande, on va mettre... Ah, c'est chiant, à chaque fois, ça me redemande flash d'autoriser. Dites-moi si vous aussi. Mais moi, ça me le fait tout le temps, c'est un petit peu chiant. Et du coup, on va tenter de faire le coucou toi 2. Et on va voir si ça fonctionne. LOL 1, 2. Merde, je sais pas si j'ai bien écrit. LOL 1, 2, 3. On va tenter de se connecter avec le compte que je viens de créer. Je vais juste vérifier. Ouais, non, apparemment, ça charge tout le temps ici. On va voir si le compte il a été créé par l'application ou pas. Bah écoutez, ça fonctionne. Enfin, techniquement, ça devrait fonctionner. Parce que là, regardez, ça marche. By the way, il y a une Pixie Star, voilà, blablabla. Je vais peut-être essayer de fermer l'application et de la réouvrir. Je vais faire ça, et puis on se dit à tout de suite. Eh bien, écoutez, je suis revenue sur... Donc là, nous sommes sur l'application, enfin, application jeu téléchargeable de Movistar Planet. Et je pense que ça m'a déconnecté, le jeu, il a dû dire « Ah, il y a quelqu'un qui s'est connecté sur ton compte. » Du coup, j'ai pas besoin de relancer. On va retenter maintenant. Voilà, pour ceux qui veulent savoir, voilà, on voit que 3 serveurs, donc c'est bien la version du jeu en application. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va se connecter sur Coucou Toi 2 LOL 1, 2, 3. Voilà, donc j'espère que ça va marcher, parce que j'ai envie... Oh, ça fonctionne, les gens. Ça fonctionne. Il y a Pixie Star, ici, on voit Pixie Star que j'ai accepté, donc... Oh là là. Étant donné que ce sont des comptes, enfin plus 15L, vraiment 15L, ça lag de ouf. Et du coup, pouvoir le tester directement sur un compte qui techniquement lag. Parce que bon, là c'est un nouveau compte, donc techniquement il devrait même pas laguer sur le navigateur. Bon, il lag un petit peu, des fois ça vient aussi de flash, hein, tout simplement. Donc, Movistar Planet, petit rappel, travaille toujours sur la version Unity pour remplacer Flash quand Flash arrivera à expiration. Faut pas oublier qu'à la base, il y avait beaucoup de rumeurs qui disaient que Movistar Planet allait fermer étant donné que le jeu a été créé avec Flash sur le navigateur et que du coup, Flash arrêtera de fonctionner en 2021 pour tous les sites. Donc tous les sites qui ont Flash devront passer sur autre chose parce que Flash expire et du coup, ils renouvellent pas. Je ne sais pas pourquoi, je connais pas l'histoire, mais... du coup, ils sont en train de travailler avec un autre moteur graphique, je crois que c'est, je sais pas c'est quoi, mais bref, en tout cas, ils remplacent Flash par Unity. Et du coup, vous inquiétez pas, même pour les personnes qui ne peuvent pas, enfin, qui sont par exemple sur Mac et vous pouvez toujours pas aller sur la version téléchargeable et que vous êtes, vous jouez par navigateur, vous inquiétez pas, ça marchera toujours. Le jeu ne va pas fermer, le site ne va pas fermer, pour le moment, en tout cas, c'est vraiment pas prévu du tout. Mais du coup... Donc là, j'essaye de voir un petit peu, bah là, il n'y a rien qui change. Enfin, comme je vous ai dit en début de vidéo, l'interface sera exactement la même que sur le site. Donc ça, ça ne change pas. Je ne sais pas s'il y a des gens qui jouaient à la première version de Movistar Planet, mais apparemment, le jeu a déjà été remasterisé une fois. Bon, moi, j'y jouais pas à ce moment-là, donc voilà. Mais on peut voir des images de l'ancien, entre guillemets, Movistar Planet. Il y a même des gens qui disent, oui, moi, je viens de l'ancien Movistar Planet. Bon, absolument pas. Alors malheureusement, je pense que je ne vais pas pouvoir... aller dans le chat, vérifier... Ah, ça a pas l'air de fonctionner. Ah, j'ai mis l'anti-bug. L'anti-bug, en tout cas, fonctionne parce que Pixie, elle a disparu. Pour le chat, je pense qu'on va pas pouvoir y aller parce que, ouais, il est un peu trop tard au moment où je tourne cette vidéo. Mais apparemment, il y a des gens qui m'auraient dit... dit pour le moment avec vos comptes officiels, je vous déconseille fortement de tout simplement vous connecter avec votre compte officiel à partir de la version téléchargeable. On ne sait jamais, ce n'est pas encore officiel, voilà. Mais en tout cas, moi ça a l'air de fonctionner, c'est cool, j'ai pu y aller, voilà, j'avais envie, voilà, je me suis dit ouais, faut trop que je fasse cette vidéo. Et en tout cas, j'espère que ça vous aura plu. Dites-moi ce que vous en pensez et je vous fais de très très gros bisous. Je vous dis à très bientôt.